Bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, il m'appartient d'ouvrir, après l'introduction et la présentation, il m'appartient d'apporter la première contribution, donc sur le thème épidémie, solidarité et vulnérabilité, un regard historique. Alors, comme je le dis souvent, l'histoire, c'est très long, donc nous nous contenterons, hein, d'évoquer quelques problématiques autour de ces thèmes, épidémie, solidarité, hein, donc comment, quelles réponses peuvent apporter les pouvoirs publics ou les citoyens et le système de santé face à une épidémie, et autour bien évidemment de la notion de vulnérabilité. Pour agrémenter un petit peu mon intervention, on fera une petite interview. Donc quelques questions ont été sélectionnées, j'y apporterai des réponses dans la mesure du possible. Alors, ben, la première question, Monsieur Bueb, si les épidémies étaient connues, quid alors des notions au plan historique de solidarité et de vulnérabilité? Alors, la problématique du colloque autour de la vulnérabilité, elle est anachronique, hein, pour un historien du droit, puisque c'est un concept qui est né à la fin du XXe siècle. Hein, si on était renvoyé dans le passé, certes, on pourrait parler de personnes fragiles, mais on serait peut-être beaucoup plus prosaïque. On parlerait d'infirmes, d'invalides, de malades, de lépreux, de colériques, de déments, de séniles. Hein. On donnerait un nom à toutes les formes de vulnérabilité, hein, ce qui entraînera pour les juristes, hein, la notion d'incapacité. Donc le concept est anachronique. Même propos pour la solidarité. Hein, la solidarité. C'est un concept qui est né dans les années 1830-1840, hein, Pierre Leroux, repris après par la Troisième République et Léon Bourgeois autour si vous voulez, du socle idéologique de cette Troisième République pour justifier les politiques sociales, le solidarisme. Si on se renvoie dans le passé, la solidarité existe-t-elle? Non, c'est le lien, c'est l'entraide, c'est la charité. Donc, bien comprendre qu'on n'est pas dans le même, dans les mêmes réalités et donc pas dans les mêmes concepts. Donc comparaison n'est pas forcément raison, même si il peut y avoir, hein, des linéaments de solidarité, bien sûr, et qu'on peut qualifier les situations de ces malades, de ces vieillards ou d'autres de vulnérables. D'accord. Alors, l'épidémie, bon, c'est un choc social qui peut, de toute façon, être déstructurant. Alors, les liens de solidarité et de sociabilité ne sont-ils pas alors ébranlés? Alors oui, aujourd'hui nous sommes dans une société très organisée, d'État-providence. Si on se renvoie dans le passé, on oublie, hein, la providence, c'est Dieu, et in concreto, ben, ce seront les cercles de proximité. Tout d'abord la famille. Hein, Robert Castel avait évoqué, hein, ce concept de famille-providence. Hein, c'est elle qui assume la prise en charge, ben, des malades, des vieillards, qui exerce in concreto cette solidarité. Hein, Robert Castel distingue les deux formes, si vous voulez, de solidarité, hein, la solidarité primaire, celle de la famille, des cercles de proximité, jusqu'au village, hein, la sociabilité naturelle, traditionnelle, de la sociabilité secondaire, institutionnelle. Alors tout ça a un sens. Le groupe prend en charge les siens dans une société holiste. Donc, lorsque l'individu n'est plus intégré, hein, lorsqu'il n'est plus dans le cadre, lorsqu'il n'est plus dans cette affiliation à un groupe, famille, corporation, village, groupe de proximité, là, la prise en charge sera faite par l'institution. Alors, traditionnellement, dans le soin, nous avons l'Église, hein, et l'Église a créé, hein, des ordres pour soigner les épidémies, épidémies endémiques, hein, les lépreux, pensons à l'ordre de Malte. Donc, lorsque l'individu ne peut plus être pris en charge par son cercle classique de solidarité, le relais est pris par l'institution. Donc, je disais Église,
hein, les maladreries, les léproseries, mais aussi l'institution communale. Hein, on voit dès le Moyen-Âge, et à partir surtout du XVIe siècle, les villes créer des bureaux des pauvres, hein, ou des hospices. Hein. On voit bien ce processus de laïcisation ou de prise en charge par une structure non religieuse de la maladie et du soin. Alors, tout en sachant que le personnel reste religieux, hein, même si l'hospice sera financé essentiellement par une collectivité publique, par la ville. Mmh. Et mais alors, comment réagissent historiquement donc les acteurs publics qui sont face à une épidémie? Alors, oui, pour reprendre un petit peu et faire le lien, lorsque arrive une épidémie, hein, je le disais tout à l'heure, il faut bien distinguer, jadis on est dans l'épidémie constante, hein, des épidémies endémiques, hein, la lèpre, c'est des décennies et des décennies. On aura plus proche de nous, hein, la tuberculose, la phtisie, etc. Tous ces maladies industrielles qui touchent le plus grand nombre sont des épidémies, mais endémiques. Donc, on gère. Hein. Et cette épidémie endémique, on la distinguera de l'épidémie soudaine, hein, ces grands chocs, hein, comme le fut la peste, hein, de 1348. Elle arrive, elle débarque. Et elle va déstructurer de manière extrêmement brutale, hein, tous les équilibres sociaux et également donc juridiques. Pensons la dernière peste de Marseille en 1720. Hein, c'est le même effet. Hein, la peste arrive et on voit bien le tissu social, le cadre, hein, se disloque. Hein, les élites quittent la ville. Hein, la plupart des familles riches. Hein, quitte la ville, hein, ne reste que quelques notables, hein, qui ont des fonctions municipales. Comme un petit peu, on a pu voir avec le Covid, les Parisiens qui avaient les moyens, hein, partir à l'île de Ré. Hein, donc, on retrouve un petit peu, hein, dès qu'arrive le choc épidémique, la panique, un petit peu comme l'exode en 40, hein, ceux qui peuvent fuient, hein, s'ils ont de la famille ou une résidence secondaire. Et ceux qui restent survivent ou meurent. Et on sait très bien que ces épidémies détruisent les familles, laissent à la ville des jeunes, des orphelins ou bien des vieillards, tous ceux qui sont épargnés et qui sont donc dans une situation de déliaison. Et là, le rôle, hein, de l'institution charitable, l'institution de soins, redevient primordial puisque la communauté traditionnelle a été déstructurée. D'accord. Et alors, in fine, donc, quelle leçon peut-on retirer des anciennes catastrophes sanitaires? Alors, je ne sais pas si l'histoire nous donne des leçons. Hein, ce qu'on a pu comprendre, et ce qui a été flagrant aussi avec le Covid, il n'y a pas de réponse nationale parce qu'il n'y a pas de politique nationale. La Révolution a tenté, hein, dans ses grands élans généreux, de faire des secours publics une dette nationale. La Deuxième République, en 1848, est dans cette même logique. Hein. Dans la Constitution et dans le préambule, d'ailleurs, c'est amusant, elle affirme, hein, ce devoir de solidarité, hein. La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail. Elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux, bon, soit en leur procurant du travail, dans la limite de ses ressources, soit en donnant, à défaut de sa famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. Donc là, ça intéresse plus, si vous voulez, la question du travail, mais en fait, c'est l'autonomie. Quand vous êtes autonome, vous vous prenez en charge. Quand vous ne pouvez plus l'être, on peut admettre que l'acteur public vous prenne en charge. Et l'acteur public, c'est, comme sous l'Ancien Régime, la commune de proximité, celle auprès de laquelle vous êtes affilié. Le directoire avait créé pour cela les bureaux de bienfaisance. Et si vous avez les moyens, vous faites appel à la médecine libérale, aux cliniques privées, et si vous n'avez pas les moyens, ben, vous finissez dans des structures charitables qui vous prendront en charge, ou bien dans l'hospice
ou l'hôpital général de la ville. Et la République troisième, hein, du nom, quand elle trace les linéaments de l'État-providence, est dans cette même logique. Alors, ce qui a changé au 19e, hein, c'est l'hygiénisme, hein, l'idée de prévention. Pour éviter les épidémies ou les maladies endémiques, il faut agir sur le logement, sur la salubrité, construire des tout à l'égout, hein, donc créer un environnement sanitaire, et la loi de 1884 hein, reconnaît au maire ce qu'il avait jadis, hein, cette police de la salubrité publique. Donc on peut agir préventivement. Le bon état de santé générale d'une population la protège des épidémies soudaines, hein, bon, sauf bien évidemment exception. Mais c'est un petit peu la logique hein, de ces politiques sanitaires face aux grands fléaux. Eh bien, la prévention, c'est contribuer au bon état de santé, bon état matériel, à défaut hein, de la famille. Aide-toi, le ciel t'aidera jadis, aide-toi, ta famille t'aide, vous vous aidez entre vous, et à défaut, hein, la commune aidera. Hein, et les deux lois principielles hein, de la Troisième République sur l'aide sociale sont dans ce diptyque-là, hein, que ce soit l'aide aux vieillards ou aux malades incurables, c'est toujours à défaut hein, d'une prise en charge de la solidarité primaire que le malade sera soigné dans l'institution. Et si possible, d'ailleurs, à domicile, puisque ça coûte moins cher. Et on peut comparer aujourd'hui avec le Covid, peu de soins à domicile. Hein. On est dans un autre système de santé. Hein, quand la personne vulnérable, on va l'extraire de son milieu naturel et la mettre dans ce milieu sanitaire extrêmement artificiel, jusqu'à même couper les liens, puisqu'on a vu que les parents n'avaient pas le droit de visiter leurs malades, voire même leurs mourants. Alors, ce qui n'est pas forcément nouveau, hein, dans l'exemple de la peste de 1720, et au Moyen-Âge aussi, on pouvait murer, hein, enfermer, en fait, les malades ou la famille touchée par la maladie, hein, c'est une sorte de confinement jusqu'à la mort, hein, pour éviter la contamination. Donc, c'est cela que l'historien du droit peut voir. Il y a des similitudes, il y a des réflexes. Et une des leçons aussi que peut donner l'histoire, ou du moins, pas forcément une leçon, mais un regard réaliste, les réponses sont des réponses de proximité. Jadis, c'est le préfet, c'est le maire, hein, ce sont ces autorités locales qui décident, par des arrêtés municipaux, d'interdire les manifestations, les représentations théâtrales, le cinéma dans les années 20, lors de la grippe espagnole. On a aussi, mais là c'était plutôt l'exemple que j'ai vu, c'était en Suisse où on ferme les commerces, sauf les boucheries, les boulangeries, donc les commerces de bouche essentiels. Mais toujours une réponse locale appropriée. Hein, de la même manière, le pass sanitaire existe déjà, hein, c'est un peu l'héritage de la quarantaine, mais c'est toujours une mesure locale. Hein, dans la peste de 1720, à Marseille, on avait fait un mur hein, pour couper la Provence de tout le royaume de France, et il fallait circuler avec ce passeport sanitaire avant l'heure. Hein. Mais, donc on retient toujours une réponse locale, parce que ça tient aussi, hein, il n'y a pas de TGV, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas cette centralité technologique hein, qui permet l'intervention directe centrale. Donc ça peut être l'intendant, le préfet, l'autorité locale, et qui prend les mesures appropriées, hein, indispensables, nécessaires, et pour reprendre un peu nos jurisprudences classiques, proportionnées. Et ce qu'on a pu peut-être constater, même contester, dans l'épisode du Covid, c'est une grande interrogation sur la nécessité de certaines mesures,
et surtout sur la proportionnalité. Et puis, dernière leçon ou dernière observation, en 1832, on a un exemple à Bordeaux, hein, les traces que j'ai pu y trouver, hein, où ce qu'on constate, hein, la ville se met en œuvre, crée un comité pour le choléra, hein, donc pour essayer de juguler cette épidémie, mais ce comité est essentiellement urbain. Et donc, la structure administrative, l'intervention publique ne dépasse pas les frontières, hein, de la ville, et le monde rural est un peu délaissé. On aura pu faire le même constat dans nos EHPAD de Haute-Saône ou du monde rural. Il n'y avait pas les moyens, il n'y a plus de médecins sur place. L'ARS se concentre essentiellement, hein, dans cette logique de recentralisation dans le monde métropolitain et urbain. Donc on retrouve, hein, toutes choses étant égales par ailleurs, un petit peu les mêmes travers. Hein. Le monde urbain est le premier servi parce que mieux organisé, le préfet est là, hein, le maire est là. Le monde rural se débrouille. Il y a la distance, il y a l'absence d'équipement. Il y a quelques officiers de santé, il n'y a pas le personnel qualifié sur place. Donc c'est ce que peut nous apprendre éventuellement l'histoire. Et puis surtout, mais ce qui est logique, hein, c'est notre époque d'individualisme, de relations très institutionnalisées dans le passé, puisque le monde institutionnel est relativement faible. Hein, la médecine, elle est ce qu'elle est. L'institution publique n'a pas beaucoup d'argent, elle est d'ailleurs assez pingre. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est l'effort de solidarité, si vous voulez, du local, hein, des collègues, des corporations, de cette solidarité horizontale, cette entraide mutuelle. Alors, non pas par, disons, idéologie. Hein, la solidarité, jadis, ne l'oublions jamais, est une nécessité. Je t'aide et demain tu m'aides. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'institution qui peut nous aider. Et ce que démontrent les crises, disons, sanitaires et même d'autres crises sociales, c'est que le monde individualiste aujourd'hui a fragilisé, hein, les liens horizontaux, les liens communautaires qui, à l'époque, protégeaient. Ils protégeaient plus. Mais ça, ce sont des modèles politiques et des modèles juridiques, des modèles économiques. Hein, on n'est plus au temps de la marine à voile et la vapeur et de la bougie, hein, certes. Mais la force peut-être, hein, de ces sociétés-là, hein, résidait dans cette couverture, hein, de liens, de liaisons social, d'encastrement social, pour reprendre Castel, et d'investissement parfois avec beaucoup de dévouement. Hein. Si vous avez un cours Belzunce à Paris, c'est en souvenir de l'action de Monseigneur Belzunce, hein, l'évêque de Marseille, qui est resté, lui, alors que les autorités publiques, la plupart, étaient parties. Donc, on a eu en Italie les premiers curés qui venaient au chevet des malades, et beaucoup sont morts en faisant leur mission spirituelle de charité. Donc, vous voyez, on a aussi un investissement qui relève ici du devoir, de la charité, d'une certaine spiritualité que peut-être nos sociétés n'ont pas forcément oublié, hein, puisqu'on a vu des médecins, des infirmières dire à la retraite, on est là, embauchez-nous, engagez-nous. Et l'ARS, bloquée dans son magma bureaucratique, est incapable, hein, de répondre à ces appels de dévouement. Donc, ce qui démontre une fois de plus que c'est au niveau local, hein, et on le voit dans la grippe espagnole, dans le choléra, c'est au niveau local que le maire organise avec les sociétés de secours mutuels, les notables. Hein. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les notables donnent. Ou acheter des médicaments, acheter des couvertures, équiper des hôpitaux, trouver des locaux, hein, pour aménager des hôpitaux supplémentaires. Donc très vite, hein, parce que nous, on a
hésité. Hein, le temps que on installe un hôpital d'urgence, il a fallu que ça monte à Paris, que ça redescende. À l'époque, face à l'urgence, la réponse est immédiate parce qu'elle est locale et elle va mobiliser toutes les forces sociales. Parce que c'est du devoir aussi des notables, hein, pour plein de raisons qui sont peut-être plus opportunes aujourd'hui, hein, d'investir ce champ de l'aide lorsque bah, la famille et les solidarités traditionnelles ne peuvent plus répondre. Donc, peut-être à méditer, hein, une réserve de retraités prêts à être mobilisés en cas de nouvelles crises sanitaires, un maillage d'associations et de bénévoles prêts, des associations de donateurs, etc., etc. On a vu quelques grandes entreprises offrir des masques, hein, parce que l'institution publique était dans la capacité. On a bien vu aussi les régions, dont c'était pas la compétence, investir ce champ, alors que l'État était dans l'incapacité de le faire. Donc c'est toujours ce renvoi au local, à la proximité, au bon sens et au réel qui permet, dans l'urgence, de donner, me semble-t-il, et si l'histoire peut-être le démontre, la réponse, pas forcément la plus appropriée, mais la plus adaptée aux réalités locales. Eh bien, merci, Monsieur Bled. Je vous en prie, merci. J'espère avoir apporté quelques clés de lecture pour la suite de nos discussions et pour la suite des exposés. Merci.